Bonjour à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le sixième épisode de l'aventure sur Dofus Retro. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses niveau drop. On part à la chasse du Gélano, ce mythique anneau qui donne un PA, qui est dans la quasi-totalité des builds du niveau 60 à plus du niveau 100. Tout le monde en a besoin. D'ailleurs, nous, on a 8 persos et on joue également avec Lulu et Mathieu qui sont en monocompte. Donc, on va en dropper 10 au total, ou en acheter, ou en craft. Enfin, en tout cas, il faut qu'on en drop beaucoup, c'est clair et net. Donc, c'est parti. Bon épisode à tous. J'espère que vous passerez un agréable moment. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous! Avec cette musique, j'espère que vous allez bien les amis. Mais ça on se ressemble pas vraiment, avec quelqu'un avec qui on se ressemble, c'est Lil Dicky, pour ceux qui ne savent pas effectivement, c'est un rappeur américain. Alors quand j'ai les cheveux frisés et encore plus barbus, c'est vrai qu'on se ressemble encore plus, mais sinon effectivement, y a un air quand même, il y a un truc. C'est vrai qu'on me le dit souvent, qu'il y a un truc en commun assez flagrant, surtout que voilà, il a de la barbe et les cheveux longs. On n'a jamais vu ces deux personnes au même endroit. Moi, c'est tout ce que je dis. bandit, 3 de dommages. Elles sont à combien, les 3 de dommages? Ah, elles sont à 10 000, du coup, les plus 3 dommages. Ce qui est logique, hein, vu que... 10 000, hein. Alors, mode vente, 3 dommages. Donc, on va la mettre 9 999. C'est normal, hein, c'est vraiment utile. Bah, en fait, c'était le même prix. Les 3 sont à 9 999, donc ça va être 30 000 si on vend tout. Et ça, putain, c'est une 3, c'est une 3 dommages, j'ai eu que des 3 dommages, incroyable. L'anneau, je peux mettre que 5 objets? Je vais mettre que 5 objets en vente? What the fuck? Sérieusement? C'est tout? Allez, c'est parti pour aller drop le Gélano. Il nous en faut plein des Gélano, donc c'est pour ça. Nico, on a quand même, enfin, avec Mathieu, ils en ont droppé un ce matin, enfin cet après-midi, pardon. C'est plutôt pas mal. Parfait. Combien de TP? 842, c'est nul. C'est quoi? C'est nul. C'est 800. Oh, dis-toi on avait 640 ce matin. 640 vous aviez et vous avez droppé le Gélano? Ouais. 3 fraises sur ouais. La map? Vous avez non, lancé non, jamais. Jamais. Ok, 3 fraises c'est vraiment pas mal pour le coup. Et ça droppe pas mal de Kama aussi, les gelés. Ouais. Un bon groupe ouais, peut dropper pas mal. Tu prends du 6-700 combat sur un bon groupe. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Nickel, let's go! Allez, on espère un peu de chance. Chance négative. Chance négative sur 3 gelés, putain. Ça m'étonne, tiens. Ça m'étonne, tiens. Chacun a un logiciel. Et rien. Non, même pas. Et toujours rien, putain, mais on n'a pas de chance pour l'instant. Allez, est-ce que les fraises seront sur la map? Et non. Non, mais c'était même pas une question. Hein, ah, genre, elles ont disparu. Franchement, même on aurait cligné des yeux, changé de map et... Forcément, les gens redécouvrent le jeu ou découvrent complètement la 1.29. C'est un peu nouveau. Je l'ai. J'ai reçu un message, je suis pas. Oh, 3 fraises. 3. 3 et 3. Putain, ça pop en même temps, fait chier. C'est pas grave. C'est parti. 3 et 3. Ouais. Okay. 3 fraises. Il y a un autre gars qui prend l'autre. Ouais, bah ouais. Hein. Différent. Parce qu'en fait, tu dois poser un perco, donc ça te coûte des kamas de poser un perco. Et rien drop. Je sais pas d'où ça vient ce bug, mais je crois pas. Hein. Un parchemin, une blue jelly. Level 110 hein, déjà. Hein. Je sais pas exactement. Rien du tout. Oh, la 3 fraises là. Tu l'as lancé? Oui. Ouais. Yep. Let's go. On a droppé 0 item pour l'instant. C'est un peu chaud là. Non, mais c'est souvent comme ça. Ok. Et puis d'un coup, tu te retrouves avec un peu de chance. D'un coup, t'en drop 3 dans le même combat, dont un Gélano. Non, elle drop 2. Oh, le tchal relou. Les armures des gelées rouges augmentent en fonction de leur intel. Crap, c'est fou. Ah, d'accord. Ah, ben on a rien drop. Bien. Bon, des gelées, hein. 3 fraises. Qu'est-ce qu'il y a? 3 fraises. 3 fraises, bah, combien le Gélano en HDV? Bon, c'est pas du tout... 400 000. 400 000 encore. Vraiment, il vaut 400 000, 400 000. Ouais. Bah écoute, voilà, je la prends. Je lance une simple fraise. Let's go. Contamination réussie. Allez. On drop. Rien du tout. Rien du tout, putain. Fais chier. Oh, 4 Vous avez lancé? Ah bah, ouais. Direct. Économe. ça sera pas ça. L'écho à 4 est chaud. Un blitz. Non, blitz. Un blitz, c'est pas mal. Un blitz, c'est bien, ouais. 4 gelées, putain, c'est vraiment rare, ça, pour le coup. C'est la première fois que j'en vois. Hein. Enfin, sur cette version. Sur l'autre jeu. C'est pas grave, il est faisable. Faut déjà être optimiste là-dessus. Ouais, clairement, c'est un challenge faisable. On a pas eu barbare, quoi. Déjà, j'ai up level 40. Ça, c'est beau. Disant des conneries.
Oh là là. Et bah, rien. Et bah on a rien drop, du coup tu t'es pas obligé de te sub. Et bah je me sub pas, écoute. Il y a eu 8 gelées rouges quand même. Ouais, allez, gelé pour le coup, ça c'est pas mal, effectivement. 8 dans un combat, putain, ça donne 1 vita. C'est nul. Et rien drop. Ouais, t'inquiète. PUBG, Fortnite. Effectivement, PUBG et Fortnite sont des jeux complets. Oh, qui de l'allo? Oh, j'ai le tueur. Et guild halogène, what the fuck? On a droppé une guild halogène dans le combat. Le premier drop. Oh là là, le premier drop. On fait un peu les malins, mais on vient de se faire chourer 3 gelées fraises, hein, par contre. Ouais, grave. Gélature. Vas-y, je lance. Les GTA sont Andreas. Je sais pas s'il est... Je vais dire, ma gélature, elle est sur Umi en plus. Parfait. Faut rejoindre aussi. Elle fait 35 intel sur 50. Donc ça va. Faudrait n'importe quoi. Genre par exemple... Ah bah tiens. Le combat se finit. Y'a rien. Bah par exemple, du coup on va prendre la coiffe coiffe bouffe tout. La mienne fait 26 en force, 35 intel. C'est un G plus que correct. Mais vous savez pas combien ça fait maximum. Vous réappuyez sur effet. Et ça vous dit le G minimum en intel, le G minimum en force. Mais c'est pareil pour tout. La gélature, je sais que sur effet, ça me dit 1 à 50. La piute, 1 à 80. La ceinture, 1 à 500 pods. Voilà, ça vous fait ça pour tout. Voilà. Et j'ai appuyé. Ok. Allez, let's go. Allez, petite cap. Une petite cap sur Lenny. Nice. Deux items. Oh, ah, c'est encore fait chouper. On s'est fait chourer 3. Non. Alors attendez. Le G, ça va de combien à combien pour la gélocap? Gélocap. C'est nul la gélocap, par contre. Ah, pour ça donne de la PP, non? Ouais. Je crois que c'est 1 à 2 et 11 à 20, ou je sais plus, un truc comme ça. Ou 1 à 20. Alors, 1 à 15. Je vais regarder. Attends, mais... gélocap. Je pense que tu la mettras pas. 1 à 10 et 1 à la PO. C'est naze. Ouais. Ah bah non, du coup c'est pas du tout ça. C'est 1 à 20 et 2 PO. La mienne fait 16-2, elle est belle, hein. Alors il y a une fraise. Bon allez, bisous, peut-être à tout à l'heure. Des bisous, non, Mathieu. Au-dessus, la map d'au-dessus a 3 fraises. Ouais, ça marche. je suis là, tu peux lancer de mon côté. Bah c'est juste comme ça. Ouais, t'as raison. Alors est-ce qu'on a droppé un truc? Eh non. Ah, rien. C'est bon, ça passe. Le bouclier en mousse s'est pété, hein, complètement. Une rouge jolie. C'est déjà pas mal. Ça c'est bien. C'est... Ouais. Par contre, une seule gelée, c'est chaud. Hein. Fait. Une cape. Une cape sur Humility, c'est parti. Encore, mais yes. Il y a qui drop, ce salaud. Nice. Allez, c'est la victoire. Tu fais un groupe, j'en fais un autre, Lulu. Je peux en faire un aussi si nécessaire. Ouais, ou... Je fais celui du bas, vas-y, let's go. 20 PP. What the fuck. J'ai perdu en PO. Oh, non, un PO. Oh. Mais bon, en vrai, 20 PP, c'est quand même cool, hein. C'est ouais. GPF. C'est cool. Je pense que vaut mieux de la PP que de la PO, non? J'ai obligé, j'avais pas le choix. Hein. Je sais. Et une rouge jolie, c'est déjà ça. Les nourrir rapidos. Non, rien drop. Et bim, 3 gelées. Enfin, 3 gelées. Il y a les groupes de gelées. Alors, vas-y, je vais essayer de nourrir rapidos. Pour ça, je sais pas. Ok. Une gelée fraise. Rien d'autre. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'on a drop? Et le perco? Rien du tout. Oh, le beau perco qui a droppé, qui a eu 8 XP, Nico. 8 Eh, c'est pas mal, hein. Le boss. Alors... Et rien, à part des rouges, gelées et verts. Ah, en vrai, c'est pas si mal. Ouais. C'est pas si mal du tout. Let's go. Allez, c'est parti. On va essayer ce petit groupe. Hop. Donc, à nourrir toutes les 4 heures, les piouts, c'est exact. 5 heures, fais attention, l'ami. C'est 5 heures, c'est pas 4. Merde. C'est bon. Mais bon, j'ai beaucoup de comptes là, faut que je les rentre là. Faut que je fasse attention. La fait 4, faut que je la mette là. Humility, faut que je la mette là. Et humivre, en vrai. Faut que je le mette derrière, il sert à rien pour l'instant le panda. Allez, c'est parti, on espère qu'on va dropper XP bien comme il faut. En vrai, ce genre de combat, on peut monter un level, hein, quasiment. On peut faire genre 100, 110 000. Oh, Mystique! Wouah! 90%! Excellent! Tchal, lourd le tchal! Lourd de ouf! Putain, trop bien! Oh là là! Magnifique! One eternity later. Allez, let's go! On va voir si on up. On va voir si on up. On va voir combien on XP. 24 minutes, c'était très long, hein. 130 000 d'XP, donc en vrai, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment pas mal, hein. 190 000 sur le panda. C'est vraiment très très propre. Donc, après, c'était un peu long, quoi. C'est un peu long. 280 000 d'XP sur. Sur Stranger, l'XP mec est parfait.
Bah là on a eu de la chance parce qu'on avait un gros groupe solide. Franchement je trouve que le groupe était bien. Donc en deux combats en 40 minutes on up un level. Donc si vous faites ça toute l'après-midi, vous pouvez up peut-être 5, 6, 7, 8 niveaux, un truc dans le genre. Donc ça peut être vraiment très bien de juste se dire bon bah on farm l'XP pour aujourd'hui. Et voilà, on fait que ça. D'avancer, on a des persos level 40, il y a des gens qui sont bien plus avancés que nous. Mais d'un autre côté, genre c'est pas grave. Oh, moi je débloque la cinglante là, la fin. Regardez, regardez ça le chat, regardez son regard. Moins 2 PM. Vous voyez pas trop d'ici, mais genre. Ça va, Batman? Posé sur ton truc là-haut. C'est un chat. J'ai envie de monter. 27 minutes, j'ai encore plus. J'ai envie de monter maladresse. Je pense que je vais le faire. Ah ouais, vraiment? C'est si fort que ça? Bah, c'est que j'ai bien envie d'aller faire des donjons blop aussi. Ouais, carrément. J'ai 42. Pour moi. Parce que là, Lulu a eu sa flèche cinglante. Ouais, carrément. T'es 48, Lulu? Ouais. Putain, nice. C'est une mobilette. Ce truc. Bruit, c'est clair. On dirait que tu démarres la tronçonneuse. C'est la tronçonneuse que j'ai allumée, hein. ASMR de chat, exactement. On va au. Au sanglier? Allez. Vas-y. Sanglier des plaines, let's go. Hein. C'est en moins 14, moins 47, c'est cette zone-là, ouais, ou pas du tout ça. Plage d'auto, hein, l'ami, je pense que c'est vraiment le must. Hein. Plage d'auto, j'ai l'impression que c'est un peu le truc où tout le monde va vers le level 20, 30, 40, tu vois. Tu fais des petits groupes de 1 ou 2 monstres. Sinon, tu peux faire les boues encore à ce level, tu peux faire les cochons de lait, tu peux faire pas mal de trucs. Ça arrive de faire des bourdes, ça fait partie du charme du jeu, exactement. C'est pour ça qu'on insulte Lulu quand elle fait des bourdes. D'ailleurs, elle s'est même pas placée pour les PA, du coup, fuck les PA. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, mais j'ai encore mon bug! Oh, j'entends le jeu bug! Mais. Elle a lancé une flèche à 1 mètre d'elle, quoi! Parce qu'en gros, ça fait les. Je suis mort! Mais c'est le jeu! Putain, t'as lancé, oui, 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 c'est le jeu. T'as lancé ton sort à 1 mètre de toi, Lulu, bordel! Fais un effort, quoi! Mais... Quitte le launcher! Mais c'est pas une blague, c'est genre. Tu quittes le jeu, tu quittes le launcher. On est en combat, de toute façon, on risque rien. Vite, finissez le combat, y'a un mec qui l'a dit dans le chat. Lulu, vite, finissez le combat! Vous êtes méchant. Comment ça, vous êtes méchant? Oh, ouais. J'ai fini le combat, je te jure, j'ai fini le combat. Bah, ça t'a eu de la chance, hein. C'est bon, je. T'étais reco? Ouais. Oh putain. J'ai alors, pas c'est fait quoi gaffe. Qu'il me faut, moi? Des mais cuirs, on y a tous, je crois les cuirs, c'est cuir. Alors, 1, il t'en faut combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il m'en faut 10. Bah voilà. Super, mais un combat. C'est bon, est-ce il y a qu'on tout fait un autre combat ou pas? Bon, allez, un petit challenge de réussi. Oh, on a droppé des sabots. On n'avait pas droppé beaucoup tout à l'heure. Ouais, et un gros 1. Un gros 1. Moins 0. Moins 0, oh, GG à toi, Berger Porcas. Et du coup. Tu pourrais me dire qu'est-ce que t'as mis en carac sur le cra? J'ai mis 100 points en intel. Ah, dur à dropper, par contre on a droppé un gros boulet. Ouais. J'ai droppé 2. Il t'en faut 10. 3. Et les 4. Côtes, les côtes c'est pas un truc hyper important ça? Y'a pas un truc qui a besoin de tu, côtes tu confonds avec les côtes de rib. Ah oui, ça doit être ça, ah, c'est les côtes de rib, ouais. Ah, ça doit être ça, ça doit être ça. Y'a un groupe de 4, de 3 normalement. Ah non, ouais. si, j'ai raison faut, c'est l'anneau melou, mec. Il faut des côtes de Borcas pour l'anneau melou, hein. Ouais, oh là là, c'est pas dur à drop. Ah c'est pas drop, mais c'est pas dur à drop, mais t'as la flemme des fois, non? Allez, on espère dropper. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a 3 sur Humivre. 10. Non, mais c'est bon. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Non, on va dropper 0. Il y a un groupe de 4, est-ce que vous voulez qu'on le refasse? Bah sache que je suis pas du tout un expert de la 1.29, hein. J'ai joué un peu plus d'un an, un an et demi je dirais sur la 1.29 à l'ancienne, il y a 11 ans du coup. Et ensuite quand c'est passé en 2.0, j'ai jamais arrêté de jouer par contre après. Tu as quel âge, Jumi? J'ai 27 ans. Je viens de faire 27 ans il y a quelques mois. Qui se rappelle de Dofus Mag. À tout le monde je pense. Quand t'as acheté le magazine pour la carte là. Tous Lulu, je les ai achetés tous. Ah moi c'était pareil avec mon frère, on se battait pour celui qui allait avoir... Celui du mois, on s'alterne les mois là. Papy Umi, attendez, mais je peux vous montrer hein, quelque chose hein, par contre. Déjà, vous le voyez peut-être à la cam en haut, mais tout en haut, ça c'est que des figurines de Crossmaster. Et ça. Ah c'est que pas, en fait. Des Dofus Mag. C'est un épisode entier sur la caverne du Koulos.
Donc là, ils montent les maps du jeu directement, genre le chemin pour y accéder et tout. Ça, c'est vraiment le repère de Skunk. Vous avez terminé le donjon Koulos, alors maintenant, regardez ça. Il y a des pages entières avec, je peux même vous le montrer en format vidéo un peu plus grand. Voilà. Genre, vous voyez, il y a toutes les pages et tout, de tout le truc, de tout le donjon. Genre, tu peux vraiment voir en détail chaque truc, chaque page. T'as des BD, voilà, t'as un épisode sur les mercenaires. Enfin, les vrais se souviendront des mercenaires et tout. Okay. J'ai envie de me faire un panda air. C'est de la folie, tu penses. Ah, haut level, c'est bien, bah level. Clé. Eh bah, rien, mais les poils sont intéressants. Les poils, c'est pas mal ça. Ouais, mais aucun poils, item de la panneau en tout cas. Ou faire un jeu comme ça. Oh, la racine magique, c'est rare ça, je crois. Ouais. La racine magique, c'est rare ça? Je sais pas en fait, mais je crois. T'as 8 PA, t'as intérêt à le tuer, Lulu. Oh là là. Yes. Non, mais 15 minutes de coup, ouais. Oh, une AMU. Vraiment? Ouais. Ah non, mais Kitsu, pas Erdala, putain, mais j'en ai rien à foutre moi. Mais vas-y, mais moi je voulais un vrai truc quoi, une AMU Erdala quoi. Pourquoi on a fait ça, dites-moi? Est-ce qu'on est pas venu chercher des items Erdala? Parce que moi des items Kitsu ça m'intéresse pas, par contre des items Erdala, Nico, ça m'intéresse. Je l'ai jeté par terre la muquet, qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça? Tu me la donnes moi? Casse-toi la muquet. Vraiment tu l'as jeté? Essence, quoi. Allez c'est parti. Oh, il est passé Nico. Yes nice. Putain yes. Yes il est passé putain. Ready. Putain GG. GG. Et du coup on a l'anneau qui fait 2 en chance, mais qui fait 21 en force. Bonne continuation et coucou le live. Merci Makila, t'es le boss, merci à toi. Du coup on peut bientôt les équiper hein, les deux. Du coup gros bisous à tous, reposez-vous bien, faites de beaux rêves comme d'habitude. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre votre meilleur like. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur ma tête ou nous rejoindre en live sur Twitch. C'est tous les jours donc n'hésitez pas. Ciao tout le monde.